qualité de travail que moi policier nous fait dans Matissan là village de Dieu dans qualité problème que moi au metté chef gang si effectif qui déployé pour permettre que officiel corrompu officiel kidnapper officiel trafiquant drogue officiel qui vend zam qui vend qui dans trafic d'organes dans pays si tu as même déploiement ça qui fait pour te renforcer présence la police sur Matissan et continuer avec opération yo garantie une bataille Matissan li va t'a prendre 24 heures de temps et ça que m'a dit policier yo dans situation bagarre vinn là gagne pile piège parce qu'on senti que pouvoir les solidariser publiquement avec gang yo et dans qui dans état major yo plus que dans gang yo et familiariser yo directement avec gang de fait m'a dit même comme policier ou fait métier zam ou gen formation pour ça ou gen tactique l'arrivé sur le terrain nous même gen char employer propre stratégie pan avec tactique que nous t'apprenne dans l'académie police là ou du moins l'autre formation que nous prend à l'étranger pour que nous nous propre combat nous même zeb poussé même zeb souke kol dans village de Dieu vide bal pipirite pas gouille dans village parce que qui s'est passé dans qui dans état major yo mettait bandi au plus ou moins confortable pour dire que depuis nous mettons nous à couvert mais justement tôt ou ta police a rentré dans base parce qu'il a découragé finalement yo pas proche chef de gang même m'a dit policier yo même pipiri de voler dans village met bal solé pas jamais perdu t'as pas jamais réfléchi même pour seconde pas d'arrestation zéro tolérance quelle que soit machine officielle qui nous a suspect cap sorti dans village fait tout ça que nous connaît pour nous craser net à balle après n'a regarder si pas isou là-dedans quelle que soit autorité qui t'a prendre direction village craser le plat après on va regarder si pas isou pas le prendre c'est des petits conseils d'amis et frères parce que nous c'est des frères policiers nous c'est policiers qui a protéger servir moi sont haïtien ti gemiko m'a chercher pour me comprendre pour me donner information pour nous capable pas arrêter dans faire pour nous pas perdre la vie nous mal parce que nous compter trop cadavre dans canon faut que la croix suspend vienne nous vienne devant porte ça fait m'a dit nous prendre responsabilité pour faire vraie bataille là monsieur ça parce que Haïti pas trouver dans va continuer dans ça que le trouvel là. Mais j'espère que nous comprenons et prenons responsabilité pour que nous permettre que le pays ça sorti dans ça que le trouvel là. Battre la continue. Il faut que nous connaissons. Les hommes fait mal. Les hommes tuer les gens. Les hommes kidnapper les gens. Les hommes fait toute qualité ça malhonnête. Il faut que nous connaissons que la Bible condamne à la peine de mort. Nous-mêmes, comme haïtiens, nous venons à propre mouvement pas pour nous juger. C'est justice pour Pilar Kelly. Les bois calés. Pasteur Claude. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappe les gens. Au monde qui viole les filles. Au monde qui séquestre les gens pour revendre. La Bible condamne à la peine de mort. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Moun ka retirer la peine de mort, les gen problèmes dans un pays, c'est moun qui révolté contre la justice. Au pays, pas capable gen la peine de mort. Parce que tout pays qui pas gen la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. Il faut. Très bien. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappe moun, au monde qui viole filles, au monde qui séquestre moun pour revendre, la Bible condamne à la peine de mort. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Moun ka retire la peine de mort. Les gen problèmes dans un pays, c'est moun qui révolté contre la justice. Au pays, pas capable gen la peine de mort. Parce que tout pays qui pas gen la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. Il faut que la justice prononce des jugements proportionnels aux crimes commis. Si crime n'a pas joindre en justice qui proportionnelle à lui, crime n'a pas besoin de suspendre. Un pays qui retire la peine de mort la Kaili, son pays qui condamné pour vagabondage dévoré. Il n'y a pas rien parce que justice n'est pas jamais capable d'établir dans le pays. Jodi à tout le monde a parlé de nouvelle constitution en Haïti. C'est le moment pour prostitution ça. Constitution 87 la temene ban nou en suspendre. Ou a kidnappé moun. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappe moun, au monde qui viole filles, au monde qui séquestre moun pour revendre, la Bible condamne à la peine de mort. Depuis dans Genèse, nous lit ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. C'est la dispensation humaine. Le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout coton moun retire la peine de mort ou condamné pays ou pour injustice détruite. Et si haïtien, cap servi mon Dieu, conscient de la vérité biblique, yo tout te doit lever voix pour dire oui à la peine de mort, non à l'impunité. C'est le moment. Très bien, c'est le moment. Papa ici m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui le ou attendez nous, et ou regardez nous encore une fois chacun de connait. C'est toujours un plaisir pour moi pour commencer avec nous. Et ça me fait du bien. Le nord. À chaque fois que me connaît, m'a vienne partager moment ça m'a fait me connait nous aller réagir exactement avec comment. C'est très important. Situation la police. Stratégie que négo développé pour que yo tava et fait et comme tu capable dire ça boycotter opération Boakale a cap fait dans Port-au-Prince parce que qui s'est passé à 90% nous besoin Boakale dans Port-au-Prince à 90% nous besoin Boakale dans Port-au-Prince parce que c'est là problème dans chita problème Haïti c'est cap vivre à l'extérieur pays là le chita exactement dans Port-au-Prince là et Boakale a stabilisé il prend cher il vient plus violent il vient plus rouillé il vient plus coupé
dans le département de l'Ouest là, je garantis que nous avons libéré le pays à net. Et c'est ça que je dis au monde qui n'a pas de presse. Si vous connaissez que vous prenez plaisir, vous croisez pied ou la caille, vous croisez bras, et vous obtenez un résultat Boakale, je suis vraiment désolé pour vous. Boakale, c'est un mouvement que tout haïtien doit participer là-dedans.